Et en prison, euh, comme du matin au soir, vous n'avez rien à faire. Il faut vous occuper. Non, pour moi, ça a été une expérience euh, euh, douloureuse mais très enrichissante. Et douloureuse parce que j'ai connu euh, vraiment ce que l'on qualifie de traitement euh, inhumain et dégradant. J'ai été maintenu dans le noir pendant une semaine. Euh, pendant un mois, j'ai failli perdre la vue. Et je dormais à même le sol sans couverture, ni oreiller, ni rien. Avec mon seau à excréments à côté, c'était vraiment dégueulasse. Pu, je n'ai pu prendre que trois bains en, un, en 30 jours. Donc je sentais mauvais, comme une bête, comme une bête. Et lorsque j'ai été... Il a été décidé de me transférer à la prison à, à Yaoundé. Je vous assure que j'ai redécouvert la, la lumière. Qu'est-ce que c'était beau! Les arbres, les, les, les gens, c'était merveilleux. Euh, et une fois en prison, j'ai pu me laver. J'ai pu me laver là-bas. On m'a attribué une chambre. Naturellement, tout, tout se paye. Il faut payer tout. Euh, bon. Tout de suite, des amis se sont cotisés, ils ont pu payer. Et euh, euh, rapidement, euh, Penn a été informé par ses amis-là qu'il y a un, un auteur en difficulté au Cameroun. Donc, euh, rapidement, euh, j'ai été pris en charge par Penn dans ce sens que euh, peine a payé mes avocats. Oui, ouais, ça, ça a été bien. Et je recevais tous les mois l'équivalent de 100 euros étant en prison. Donc rapidement, je suis devenu un prisonnier riche. Parce que 100 euros, au Cameroun, <laughs> c'est un salaire. Ça me permettait de vivre et de dépanner les autres personnes. Bon, ça, c'était le côté positif, on peut dire, de mon, de mon emprisonnement. Mais il y a eu un côté négatif, c'est que ça a été une grande humiliation pour moi. On m'a présenté à la télévision comme un bandit. Avec une pancarte ici avec mon nom, bandit et autres, ça a été terrible. Il y a eu ça, il y a eu aussi euh, la violence en prison. La violence, les gens, euh, vous vivez avec les pires euh, bandits de la, de la ville. Oui, ils utilisent la lame de rasoir, les bagarres et tout, ça, ça a été terrible, ce côté-là. Et puis des gens qui n'ont aucun respect pour vous, ils vous insultent. Ils, ils vous agressent verbalement, et ils sont même prêts à vous taper. Bon, bon moi j'ai pu éviter tout ça. Et rapidement, lorsque, surtout lorsque Penn a commencé à écrire des lettres, euh, la prison s'est rendue compte que ce petit vieux-là, comme on m'appelait, <laughs> finalement c'est un intellectuel et puis il est soutenu à l'étranger. Donc tout a changé. Le regard des prisonniers sur moi comme celui de... De, de l'administration de la prison. Tout cela a changé et j'ai toujours la même histoire que je raconte parce qu'elle est vraie. C'est que un soir, vers 20h, euh, deux gardiens de prison viennent m'appeler dans ma, ma chambre. Ils me disent le, le directeur de la prison te demande. Parce que la prison est divisée en quartiers, nous sortons de mon quartier, nous arrivons, bref, au bureau du régisseur, dans le directeur de la prison. Je le trouve en colère. Et évidemment, il ne me demande pas de m'asseoir, c'est un, un monsieur très mal élevé. Tout de suite, il prend feu et me dit « Mais pourquoi tu propages mon nom à travers la, le monde ?» Je lui dis « Mais comment ça ?» Il dit « Mais tu... » On m'écrit de partout pour dire que je te maltraite et tout et tout. Il se retourne. Il sort une enveloppe comme ça, il l'ouvre. Il, il dit euh, « Ça c'est... » Tous ces gens, ils, ils disent « peine, 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 peine. » D'abord, peine c'est quoi Bon, ça, cette lettre, elle vient du Canada. On dit que j'étais maltraite. Cette lettre vient d'Australie, de, 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 celle-ci d'Allemagne, celle-ci de, de Belgique, celle-ci d'Angleterre, de, celle-ci des États-Unis. Je vais les déchirer et tout. J'ai dit, mais donne les moi Il dit, non, 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 elles ne vous sont pas adressées. Par contre, il y a celles-ci qui vous sont adressées. Il y avait peut-être, je sais pas, 504 postales où. Tout un panier de cartes postales, il, me las, il les a remises. Et non, tiens bon. Et non, uh, uh, every day we pray for you. Uh, et non, you are not alone. Uh... Mais il y avait des. Ouh là là Je rentre dans mon quartier avec tout ce, ce sac de cartes postales. Tous les prisonniers se jettent dessus. Oh, mais, mais tu, le vieux, tu es connu, hein Ah, ah ça c'est un timbre doux, ça. Oh là là mais... Bon, tous ces bandits-là, sans niveau, bon, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont émerveillés. Donc, vraiment, euh, comme je le dis toujours, je suis devenu rapidement un VIP, veillé Important de Prisonneur. <laughs> Veille important de Parmi les lettres, il y avait une qui venait de Peine Allemagne. Et j'ai vu le, le mail. J'ai donc écrit. Et puis, j'ai reçu une réponse. Ah Voilà donc comment la relation a été nouée. Donc, ça a commencé par Peine Internationale. Peine-Angleterre et puis, puis en Allemagne. C'est comme ça que c'est... Et nous sommes donc entrés en contact euh, jusqu'à ce qu'ils euh, m'ont envoyé euh, un, un laptop euh, euh, que j'ai toujours d'ailleurs. Oui, oui, je le garderai jusqu'à ma mort. C'est un souvenir. Euh. Peine-Angleterre a édité mes poèmes. Euh, Peine-Australie les a traduits... Euh, Autriche les a traduits en, en anglais, en allemand. Et puis Peine-Allemagne, quand je suis sorti, Évidemment, avec les lettres, les pressions et tout, quand j'ai été libéré, ils, ils m'ont demandé si je pouvais accepter de venir euh, en Allemagne. J'ai dit, mais oui, bien sûr. Qui pouvait refuser une telle offre, sortant de l'enfer <laughs> Donc voilà comment euh, j'ai été donc, euh, accueilli par euh, ma, Madame et, et tout le groupe de peine Allemagne. Je suis arrivé le 5 octobre 2015, euh, dans un programme qui est euh, « Writers in Exile ». Qui consiste à une mairie vous accueille, elle vous donne un logement, elle vous attribue un logement et des moyens pour vivre. Peine, c'est une organisation mondiale, attention, quand ils donnent leur opinion, il y a problème. Il y a problème. Je vous assure que euh, j'ai été libéré grâce à Peine. Oui, le président de la République voulait se débrasser de ce dossier. Oui, oui. Des organismes comme Peine, lorsque vous en installez un dans un pays comme la Gambie, automatiquement, Contrairement à ce que l'on peut penser, le régime est embarrassé. Le gouvernement est embarrassé, oui. Ça veut donc dire que désormais, s'ils arrêtent un, un auteur, ça va faire du bruit. C'est comme moi aujourd'hui. Vous savez, finalement, mon arrestation a été positive. Pourquoi Parce qu'actuellement, pour arrêter un nouvel écrivain au Cameroun, ils vont faire attention.